Oui, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi-même le Casse. Je reviens pour une toute nouvelle vidéo, bien sûr. Tout ceci n'a pas été vraiment préparé, donc veuillez m'excuser si je suis un peu entre guillemets mode freestyle. Mais bon, bref, on va parler de King of Fighters. King of Fighters, c'est un de mes jeux vraiment favoris, préférés, si vous voulez. Parmi tous les jeux de combat, j'aime beaucoup Guilty Gear que j'ai découvert un peu tard. J'aime beaucoup Street Fighter. Dans Street Fighter, bien sûr, 4, même s'il y avait le pari, après ils ont entre guillemets transformer le pari en quelque chose de beaucoup plus pour absorber les hits, ce qu'ils appellent, ils appellent ça la saving dans Street Fighter 4. Je veux bien sûr parler d'abord de Street Fighter pour vous ramener à King of Fighter 15, parce que le sujet c'est bien sûr pour tous les coffers KOF 15. Nouvelle mécanique apportée à KOF 15 qu'ils appellent ça l'Advanced Strike, hein, si je ne me trompe pas. Donc ils ont donné ce nom-là. Mais en fait, ça, si vous voulez, par rapport à Street Fighter, là où je veux en venir, le lien, c'est que la saving de Street Fighter 4, donc quand vous appuyez sur, logiquement, bah, deux boutons, ce qui est moyen poing et moyen pied, logiquement, dans Street Fighter 4, vous pouvez faire une saving, vous avez après la focus, et là vous avez aussi la red focus qui absorbait plus de hits. Ils ont décidé de faire à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble un peu à une saving. Parce que vous allez voir la vidéo, on va se mater la vidéo. Il y a plusieurs, on va la commenter en même temps, je vais commenter, essayer de commenter en même temps. Il y a plusieurs façons d'absorber le coup sur King of Fighters 15, que ce soit à la relever sur un dragon, que ce soit, ça peut remplacer entre guillemets une déchoppe, enfin, pas mal de situations. Donc on va se mater la vidéo, les amis, c'est parti. Et on va essayer, je vais essayer de voir et de commenter en même temps, bien sûr. Ce qui se passe à l'écran, c'est parti. On va tout de suite se mettre la vidéo de cette nouvelle mécanique Advanced Strike, apparemment, sur The King of Fighters 15. Et ça fait juste que quelques heures que la vidéo est sortie, donc je vais essayer de vous balancer ça vraiment le plus rapidement. Donc je passe, bien sûr, en mode grand écran, les amis. Donc voilà, et donc ils disent ça. New System, ouais, c'est ça, Advanced Strike, pas Advanced Strike. Donc l'Advanced Strike, comme je vous ai dit, c'est une mécanique, comme vous avez pu le voir à l'écran, c'est une mécanique qui permet, on va peut-être remettre en arrière à temps en temps. Voilà, donc là, hop, hop, là, vous voyez, il avait Kyo qui met sur Iori l'Advanced Strike. Vous voyez, donc ça l'a complètement bloqué. Donc à la base, dans King of Fighters, quand on fait petit point, petit pied, il y a la roulade. Quand on fait gros point, gros pied, gros point, gros pied, on peut faire en sorte que l'adversaire fasse wall bound, c'est-à-dire qu'il rebondit contre le mur et vous pouvez mettre derrière un combo ou une super. Quand vous appuyez sur, je crois, c'est sur gros point, gros pied et petit pied ou petit point, vous activez le max mode, ce qui vous permet de continuer des combos. Et là, vous voyez, comme vous pouvez le constater à l'écran, les amis, ils ont décidé, vous voyez, de mettre ce coup qui met soit stun, donc soit qui met stun et après ça vous met Loki Zem, donc. Il y a plusieurs moyens de l'utiliser, je dirais que c'est surtout pour casser la garde et pour pouvoir bien sûr derrière soit faire activer le max mode et faire un combo énorme, soit faire directement un combo comme vient de le faire Ash. Voilà, et donc ça c'est vraiment toutes nouvelles mécaniques. C'est un peu du jamais vu hein, sur King of Fighters parce qu'on avait déjà la roulade, comme je vous ai dit, on a déjà le break CD qui était vraiment efficace pour repousser les attaques parce que bon, la pression à KOF elle est énorme quand on se fait presser, surtout par les lights, surtout par les balights, je trouve, dans KOF. Ça ouvre beaucoup la garde par les balights, pas que comme ça, soit par des sauts, soit par des sauts cross-up devant derrière, souvent ou par une roulade sur une boule, pas mal de choses comme ça. Et là, bien sûr, il y a toutes les explications. Je vous invite à lire les explications, je vais pas les lire forcément en même temps, mais vous explique que le geste pour le faire, il suffit de faire apparemment gros point, gros pied et carrière avec gros point et gros pied, et c'est ce qui donne dans des situations. Vous voyez, par contre, vous voyez, vous pouvez vous faire whiff punish, donc il faut savoir bien placer ce coup-là parce que après, derrière, ça donne des situations où vous vous retrouvez avec l'adversaire qui est dans votre dos et qui veut vous enchaîner. Donc ça, c'est vraiment une mécanique à utiliser vraiment, je dirais avec parcimonie. Vraiment, il faut savoir le placer au bon moment, bah comme la saving dans Street 4, hein, comme la saving dans Street 4, les amis, il va falloir vraiment taffer pour pouvoir placer ce nouveau geste. Voilà, donc la vidéo elle n'est pas ultra longue, on est déjà pratiquement à la fin de la vidéo, comme vous pouvez le constater. C'est une petite mécanique en plus apportée à King of Fighters,
Alors après, voilà, on est dans une nouvelle génération de King of Fighters. Vous faites, quand vous mâchez light, ça vous fait un combo qui se termine soit par une super, soit par un coup spécial, ou soit par une super level 1, level 2, level 3, selon le nombre de barres que vous avez. Voilà, donc bien voilà, donc pour ceux qui sont bien sûr sur Steam, console PS4, PS5, voilà, Xbox One, non, même pas Xbox One, Xbox Series X et X, Windows, ouais, voilà, c'est ça. Voilà les amis, en tout cas, ça a l'air d'être assez intéressant, je vais revenir un peu en arrière, pour voir un peu les situations. Vous voyez, là, il a fait grouper, bam, ça a contré. Donc, on va dire que ça dure à peu près une seconde et demie, ça dure moins longtemps, bien sûr, qu'une Red Focus dans Street Fighter 4, mais c'est quand même assez efficace, je dirais. Surtout quand, par exemple, alors je sais pas si quand on se fait presser, ben non, quand on se fait presser, on pourra pas le faire, on pourra faire que break CD. Par contre, vous voyez, sur son dragon, ça c'était très intéressant sur le dragon là. Ça c'était très intéressant. Je pense que c'est surtout sur ce genre de coup qui piffait un peu des fois à la relevée. Quand le mec il piffe, bam, dragon, voilà. Sauf que là, vous voyez, on peut l'utiliser comme c'était sur un dragon. Là, du coup, ça a fait mise au sol, mais sur le dragon, ça c'est très intéressant, je trouve. Parce que ça a fait mise au sol, mais ça n'a pas fait mise au sol lourde, forcément. Regardez, là, il va dragonner. Il a absorbé quand même 3 hits, hein. 3 hits absorbés, c'est quand même assez stylé. Là, sur le... Malheureusement, quand... Là, c'est par exemple, ils vous disent voilà, que quand l'adversaire se backdash ou se baisse, forcément, bah, quand il backdash, il esquive, il peut vous punir. Donc, vraiment, il faut savoir l'utiliser au bon moment. Voilà, les amis, hein, vraiment trop stylé. Nouvel ajout, tout nouveau. Sur King of Fighters 15, ça fait plaisir, SNK, il taffe dur, je sais pas s'il y a encore une nouvelle saison de perso qui vont arriver, j'espère, en tout cas, franchement, une nouvelle mécanique assez sympathique, ça fait ultra plaisir, je vais revenir, bien sûr, les amis, je reviens tout de suite, voilà, les amis, en tout cas, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que cette mécanique va apporter réellement plus de réflexion dans la manière dont les gens vont devoir se chercher, entre guillemets, pour ouvrir la garde ou pour se défendre. Est-ce que ça apporte quelque chose vraiment de nécessaire? Est-ce que ça ressemble pour vous à la saving que j'ai comparé à Street Fighter 4 ou ça pour vous c'est complètement différent? Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. D'ici là, je vous dis à plus tard, c'était le casse pour le Looping Show Game. Ne lâchez pas votre manette. Je vous dis à plus tard, les amis. Prenez soin de vous et de votre Mifa. Ciao, ciao, et on se revoit, bien sûr, pour plus d'actu, de jeux de baston et de nouveaux tests que je suis en pleine préparation. Ciao, ciao les amis.